Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, voici les toutes premières images de mountain bike du Mont-Rignal. Donc, qu'est-ce que c'est le Mont-Rignal? C'est pas compliqué. C'est une montagne de ski sur la rive sud de Québec, environ 45 minutes des ponts, reconnue pour le ski, pour le snow évidemment. Donc, depuis le printemps passé, il y a des bénévoles qui travaillent à faire un réseau dans la montagne. Ils ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour faire un petit réseau super le fun. On va aller faire la petite bleue, qui est une création de Sentier Boréal, super le fun. On va aller faire des petites labs, des petites sections courtes, mais super tripantes. Et pour la finale du vidéo, je vais aller vous montrer l'ancienne Coupe Québec de Downhill. Donc, c'est une noire, super old school, un bon défi à faire. Ça fait qu'on prend les bikes, puis on s'en va regarder ça direct là. Quand t'es prêt. Vas-y, mon cher. Alors, le ski réveille. Oh, that's nice. Alors, la petite descente bleue qui a été terminée l'an passé. On est avec Mathieu à l'avant qui me fait visiter le centre. Wow! Ouf, les pneus de bourre sur la slab. Ski torche à droite. On drop. Celle-ci. Ah oui, le drop! Comme ça! C'est la fin pour finale! La fin de la DH! Ça doit être celui-là! Alors, la ski descend, création de Sentier Boréal. Belle petite slab de roche à l'entrée. Oh, that's nice. Ooh, cool. Wow. Wow. Deuxième partie. Oh, que c'est beau! C'est beau, hein? Oui! C'est le fun, ça alterne entre les zones de terre et les zones plus techniques. Ha ha.
Wow! Oh, que ça va être rapide ici! Ça dit, c'est que ça s'arrête! Fait que ça va être un saut, j'imagine. Wow! Super! Alors, on est en haut de la montagne. On va aller faire dans une coupe Québec de downhill. Qui s'appelle la Ski Brasse. Ok, c'est vraiment old school. Solide. Vraiment old school. Ouais. J'adore. Monsieur, lui, fait de la course ici depuis très longtemps. On essaiera de le suivre. My God! Oh my God! Non, j'étais pas prêt à ça. Tabarouette! Comme tu dis, pas si mal. Ouais, exact, c'est ça. Qui est rapide. Ici, on aura un gros wall ride. Oh, nice! La ligne Strava! J'ai pensé que t'étais dans les âges comme c'est vrai le tuyau. Super, un gros merci. Yes, ça fait qu'un immense merci à Mathieu de m'avoir fait découvrir le réseau. J'ai adoré, super belle petite place. Donc, pour ce qui est de l'ouverture, ça va se faire samedi le 2 juillet. Le matin, ça va être pour les membres fondateurs. En après-midi, c'est ouvert à tous. Il doit y avoir un petit peu d'animation, un petit peu des food trucks, jeux pour les enfants, tout le kit. Ça devrait être super le fun. Donc, quelques pistes ouvertes pour l'ouverture. Sinon, bien, je vous invite à venir essayer le réseau au courant de votre été. Évidemment, eux autres prévoient plus de développement dans les prochaines années, dépendamment comment que ça va. Et de mon côté, on se dit au revoir et on se voit dans le prochain épisode de Free Ride Québec. Salut guys!